Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'inaugure aujourd'hui une petite caméra que je me suis achetée pour réaliser comme ça des petites vidéos de temps en temps. Vidéo aujourd'hui durant laquelle j'ai envie de vous parler, bon, normalement si vous êtes là c'est que vous avez vu un peu le titre, de la monétisation YouTube. Je vais donner vite fait mon avis sur les changements à venir parce que ça me plaît moyennement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est assez simple. Jusqu'à présent, pour pouvoir être monétisé sur YouTube, il fallait avoir comptabiliser sur sa chaîne 10 000 vues. Et puis voilà, on pouvait prétendre à devenir partenaire YouTube et à monétiser sa chaîne. Alors, bien évidemment, on ne gagne pas des 1 000 et des 100 lorsqu'on fait, comme moi par exemple, à peu près maximum, à peu près 2000 vues par mois. On gagne rien du tout, mais bon voilà, ça a un côté peut-être un petit peu motivant, je sais pas, quelque chose qui, bah, on a l'impression de faire quelque chose, enfin, je sais pas, comment on peut expliquer ça, disons que voilà, ouais, je pense que c'est une sorte de, ça peut être une motivation supplémentaire pour continuer à faire des vidéos, et dans le coup, avec les changements annoncés, cette motivation peut disparaître. Alors, quels sont ces changements? Maintenant, pour pouvoir prétendre à pouvoir monétiser sa chaîne, il va falloir atteindre les 1000 abonnés et cumuler sur les 12 derniers mois, enfin 4000 heures de visionnage sur ses vidéos. Pour vous donner un ordre d'idée, pour ma part, bon, j'ai 252 abonnés, donc il en manque 748 à peu près, très exactement, pour arriver à 1000. Donc bah, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous du coup, hein. Ça m'arrangerait un peu. Enfin, on peut dire ça comme ça, mais bon, je trouve ça un peu dommage. Et au niveau des heures de vue, des heures de visionnage, pour ma part, je suis à 4000 minutes par mois. Donc ça fait pas beaucoup d'heures. Ça fait un peu moins d'une centaine d'heures, hein. Je dirais 80, entre 70 et 80 heures à peu près. Je fais les calculs de tête là comme ça en direct, donc ça c'est à peu près 70 à 80 heures. Vous faites ça fois 12, même fois 10, donc 80, bon, 800, bon, on arrive à peu près à 1000 heures sur l'année. Voilà, c'est un calcul très très rapide, mais voilà, ma chaîne a pour le moment à peu près 1000 heures de vue, de visionnage sur l'année. Donc on est là aussi assez loin des 4000 heures. Bon. Personnellement, la monétisation, je m'en fous un peu, même si c'est vrai que ça, comme je le disais tout à l'heure, un côté un petit peu motivant. Parfois, on se dit, bon, bah ouais, voir qu'on gagne 50 centimes dans le mois, c'est pour le fun, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, d'autant qu'il y a des seuils de paiement, etc. Mais voilà, ça a un côté, je pense, assez motivant. Là où je pense que ça va être très dommageable, c'est que les petits créateurs, ceux qui font de la petite fiction et tout ça, enfin, en tout cas, ça va être plus difficile de commencer sur YouTube, parce que cette petite monétisation, même si c'est pas grand-chose, quand on s'acharne un petit peu, quand on persévère un petit peu, bah, ça peut rapporter un petit peu aussi, et permettre des premiers investissements pour améliorer la qualité des vidéos, et aller vers une évolution, faire évoluer sa chaîne. Donc, le temps d'arriver aux 1000 abonnés, bah, faut quand même un petit peu de temps, je pense. Hein, les 1000 abonnés, c'est peut-être les 1000 premiers et les 1000 plus difficiles, en fait. Peut-être même jusqu'à 10 000, j'en sais rien. Donc, ça va peut-être appauvrir le contenu sur YouTube et ne pas permettre à des jeunes ou des nouveaux producteurs de contenu d'évoluer, quoi. Enfin, bref, en cela, c'est un petit peu dommage. Bon. C'est comme ça, c'est YouTube qui fixe les règles, et puis bon, on peut pas trop dire grand-chose. Je comprends tout à fait leurs arguments, qui sont parce que ils veulent un petit peu rénover leur politique de monétisation, et puis avoir des... à traiter des cas comme il y a eu récemment, avec l'affaire du mec qui a montré un suicide en direct, ou enfin, un mec qui s'est suicidé en direct, bref, c'était un peu bizarre, mais voilà... C'était des vidéos qui étaient quasiment monétisées, donc bon, bref, YouTube veut éviter ça, mais bon, ces gens-là sont des gros YouTubeurs, donc c'est pas très très cohérent. Je sais pas si des petits YouTubeurs qui ont moins de 1000 abonnés, du coup, en quoi ça
Enfin, je vois pas en quoi ça influe, vu que c'est plutôt les problèmes arrivent sur des grosses chaînes et pas sur les petites chaînes. Alors peut-être qu'il y a des petites chaînes aussi, mais je sais pas. Bon. C'est assez opaque et je pense que. Ouais. Alors, éventuellement, ce que ça peut permettre aussi, c'est. Si ça peut permettre à certains youtubeurs, disons moyens, qui ont entre du coup 10 000 et 150 000 abonnés, qui ne vivent pas en fait de ce qu'ils font sur YouTube, de gagner un peu plus d'argent, bah à ce moment-là, pourquoi pas. Mais très honnêtement, j'en doute. Hein. J'ai lu un petit peu les détails du programme, j'en doute un petit peu. Voilà. Bon, c'était une petite réflexion du jour, comme ça. Réflexion du jour, hein, attention, c'est pas un plagiat de ce que Monsieur Chris de Minute Papillon fait, hein, c'est juste une réflexion comme ça que j'ai aujourd'hui par rapport aux nouvelles conditions de monétisation, donc ma chaîne sera démonétisée entièrement, à moins que j'arrive aux 1000 abonnés d'ici le 20 février, mais j'ai pas trop d'espérance là-dessus, tant que, puisque bon, il est à 252 à peu près 8 ans, donc, bref, passons. Voilà pour la petite réflexion du jour, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire, tout simplement. Et à vous abonner aussi, parce que bah il y a encore du chemin à parcourir quand même. Allez, merci d'avoir regardé et à très bientôt.